nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, nous célébrons ce soir cette messe à la mémoire des victimes de la catastrophe de Madère, ceux et celles qui ont perdu la vie, leur famille éprouvée et tous nos frères portugais résidant en France et qui ont des liens évidemment particuliers avec les habitants de Madère, soit par leur famille, soit par leurs relations. Quand nous avons fixé la célébration de cette messe, la catastrophe du Chili n'avait pas encore eu lieu et nous associons évidemment les victimes du Chili à notre prière comme nous associons les quelques personnes qui sont mortes aujourd'hui en France en raison de la tempête qui a eu des effets assez désastreux dans beaucoup d'endroits. C'est, j'allais dire, le tragique de notre présent qui est déposé devant nous au moment où nous nous présentons devant Dieu. C'est le tragique de la mort qui a fait irruption dans notre histoire humaine. Et c'est avec notre foi que nous regardons ce tragique de la condition humaine dans la lumière de la miséricorde de Dieu et de l'amour qu'il porte à toutes ses créatures. Lumière du Christ, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. C'est cette lumière que le Christ a manifestée à tous les hommes quand il a passé sur la terre et quand il intercède pour nous auprès du Père. Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Puis il le fit sortir et lui dit : Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il déclara : Vois quelle descendance tu auras. Abraham eut foi dans le Seigneur. Et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit : Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te mettre en possession de ce pays. Abraham répondit : Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que j'en ai la possession ? Le Seigneur lui dit : Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les morceaux, Abraham les écarta. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux s'empara d'Abraham, une sombre et profonde frayeur le saisit. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les quartiers d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes : À ta descendance, je donne le pays que voici. Parole du Seigneur. Ne me cache pas ta face,
N'écarte pas ton serviteur avec colère, tu restes mon secours. Terre des vivants, espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je craint? Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, prenez-moi tous pour modèle, et regardez bien ceux qui vivent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens vivent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont tous à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui leur fait honte. Ils ne tendent que vers les choses de la terre. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux. C'est à ce titre que nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance qui le rend capable aussi de tout dominer. Ainsi, mes frères bien-aimés que je désire tant revoir, vous, ma joie et ma récompense, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et alla sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait,
son visage apparut tout autre. Ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Et deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais, se réveillant, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'en allaient quand Pierre dit à Jésus « Maître, il est heureux que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Quand la voix eut retenti, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et de ce qu'ils avaient vu, ils ne dirent rien à personne à ce moment-là. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, quand Jésus entraîne sur la montagne Pierre, Jacques et Jean, nous avons présent à la mémoire qu'il entraînera ces mêmes apôtres, Pierre, Jacques et Jean, à Gethsémani. Non plus pour être manifesté devant eux dans la gloire de Dieu, mais pour souffrir devant eux l'épreuve suprême de sa vie, le don qu'il fait par amour en s'en remettant à la volonté du Père. Sur la montagne de la Transfiguration, l'humanité du Christ est transformé et illuminé de la gloire du Père. À Gethsémani, l'humanité du Christ sera comme voilée, détruite, amoindrie, réduite à l'angoisse qui le saisira. Évidemment, si Jésus fait vivre cette expérience à ses trois disciples au moment même où dans les évangiles il annonce les événements qui se produiront à Jérusalem, de son arrestation, de son procès, de sa passion, de sa mise à mort et de sa résurrection, c'est avec l'espoir que la vision de la gloire qui leur est donnée leur permettra de supporter la vision de la déchéance dont ils seront aussi les témoins. Nous savons évidemment que cet espoir pédagogique du Christ a été inégalement satisfait, puisqu'il a fallu attendre non seulement la mort et la résurrection, mais encore la Pentecôte, pour que l'Esprit-Saint leur donne vraiment de comprendre le sens des événements qu'ils avaient vécus avec Jésus. Et cependant, cet événement éclaire pour nous, et c'est la raison du choix qui fait que la liturgie nous donne à méditer sur la Transfiguration en ce deuxième dimanche de Carême, cet événement nous donne une indication et une lumière
dans notre cheminement vers la Pâque. Car nous aussi, à mesure que nous allons avancer vers la célébration des fêtes pascales, nous allons être entraînés avec le Christ, en particulier pendant les 3 jours saints, à suivre pas à pas les accusations qui seront portées contre lui, les souffrances qu'on lui infligera, la mort qu'il subira. Comment allons-nous vivre ces instants particulièrement intenses? Est-ce que nous allons les vivre comme le signe de l'échec et de l'écroulement du rêve que les apôtres nourrissaient encore, comme nous le rappellent les disciples sur le chemin d'Emmaüs, qu'ils rétabliraient le royaume d'Israël? Ou bien est-ce que nous allons apprendre par la puissance de l'Esprit et par l'éclairage de cet événement dont nous sommes témoins par l'Évangile, est-ce que nous allons apprendre à discerner ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire que derrière la souffrance de Jésus de Nazareth, derrière son humiliation et son écrasement dans la mort, c'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre et non pas l'impuissance de l'homme. Seul le regard de la foi peut considérer qu'à travers le chemin parcouru par Jésus, c'est l'accomplissement de l'alliance qui a été conclue avec Abraham qui est en train de se réaliser. Seul le regard de la foi va discerner que Dieu est fidèle au moment où son serviteur sera livré aux hommes. C'est non seulement une lumière et une prophétie qui nous sont données sur la suite des événements, mais c'est aussi, du moins il faut l'espérer, un éclairage qui nous est donné sur notre vie présente. Car nous aussi, enfants de Dieu, par le baptême, associés par le Christ à la communion qu'il vit avec son Père et l'Esprit Saint, nous vivons cette dignité de fils de Dieu à travers le déroulement de notre existence humaine. Citoyens des cieux, comme Paul le dit aux Philippiens, nous n'en demeurons pas moins citoyens de la terre. Citoyens des cieux quant à notre vocation, citoyens des cieux quant à la grâce que nous avons reçue, citoyens des cieux quant à notre espérance. Mais avant que cette vocation soit accomplie, avant que cette espérance soit pleinement réalisée, nous vivons cette condition de citoyen des cieux dans la condition humaine, dans nos corps, dans notre chair et dans les souffrances inévitables de toute existence humaine. Si le Christ, Jésus de Nazareth, que les disciples ont connu dans la chair, qu'ils ont accompagné au long des chemins, avec qui ils ont mangé, avec qui ils ont parlé, qu'ils ont pu toucher, comme nous dit le début de la première épître de Jean. Si Jésus de Nazareth laisse apparaître un instant ce qu'il est réellement, complètement, parfaitement, sous l'apparence et dans la réalité de son humanité, c'est aussi pour nous faire découvrir ce que nous sommes en train de devenir, nous aussi. Nous aussi, nous devenons enfants de Dieu. Nous aussi, nous allons être plongés dans la gloire du Père. Nous aussi, nous allons être illuminés par la lumière du ressuscité. Chacune des journées que nous vivons, chaque moment de notre vie, quel que soit son poids
de douleur ou son poids de souffrance est comme habité mystérieusement par la manifestation de la puissance de Dieu. Ainsi, quand nous cheminons avec le Christ vers Jérusalem, vers sa mort et sa résurrection, nous ne cheminons pas vers l'épuisement ou vers l'échec de notre vie, nous cheminons vers l'accomplissement de la vocation que Dieu nous a donnée. Frères et sœurs, vivre notre carême à la lumière de la parole de Dieu que nous avons reçue, comme je vous le disais la semaine dernière, c'est le vivre aussi à la lumière de cet événement où la gloire de Dieu se manifeste dans l'humanité du Christ, c'est le vivre aussi en accueillant la parole de Jésus comme venant du Père. Il est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. C'est le vivre en regardant chacune de nos journées, non pas simplement dans une sorte de fatalisme où s'empilent pêle-mêle les joies et les peines, les succès, les échecs, mais dans une espérance plénière. Quoi qu'il advienne de ma vie ce soir, demain, dans la semaine qui vient, quoi qu'il puisse survenir, quelque malheur qui soit infligé à l'humanité, je suis invité à tenir bon, comme nous le dit saint Paul, c'est-à-dire non pas à résister par mes propres forces, mais à m'abandonner à la puissance de Dieu, car c'est cette puissance de Dieu qui éclaire la réalité de mon existence humaine, c'est cette puissance de Dieu qui éclaire la réalité de la vie de tout homme, c'est cette puissance de Dieu qui me permet de tenir debout dans l'adversité, c'est cette puissance de Dieu qui me conduit jour après jour à vivre de la vie nouvelle que j'ai reçue et à renouveler le baptême dans lequel j'ai été baptisé. Frères et sœurs, avançons avec confiance vers le rendez-vous que le Christ nous donne, non pas seulement sur le Golgotha, mais aussi dans la gloire du Père. Amen. Credo in unum Deum, et in unum animum Christus.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que cette offrande nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte. En présence de Moïse et du prophète Élie, il a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étend au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade, principalmente as vítimas da catástrofe na Ilha da Madeira e no Chile. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Par lui, avec lui et en lui. Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez un signe de sa paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Thank you.
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques offrandes pour ce carême que nous vivons. Tout d'abord, jeudi prochain, jeudi 4 mars, adoration du Saint-Sacrement à 19h. Vendredi 5 mars, vénération de la Sainte Couronne d'épines à 15h. Deuxièmement, nous demandons de faire attention à la troisième conférence de carême qui aura lieu dimanche prochain, donc 7 mars, l'histoire du salut par le père Dominique de la Soujolle et monsieur Michel Cantsus. Ensuite, prenez connaissance de ce pèlerinage des étudiants à Chartres, 27 et 28 mars, et puis le pèlerinage diocésain à Turin, au mois de mai. Enfin, vous avez cette feuille bleue d'un côté, blanche de l'autre. Ce sont les suggestions d'offrandes pour notre carême à Jérusalem ou à Port-au-Prince, et puis toutes les célébrations et les horaires de notre Semaine Sainte qui approche. Nous nous levons pour terminer maintenant notre prière. Seigneur, pour avoir communié au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum.